Yo les potes, c'est une skin, nouvelle vidéo. Comment avoir tous les skins, etc. Sur Fortnite. Du coup, je vais vous le montrer. J'espère que ça va être bien complet. Faut savoir qu'il y a déjà d'autres personnes qui l'ont fait, hein, comme un youtubeur qui s'appelle LeDreamy ou d'autres youtubeurs. Donc voilà. Du coup, vous avez ici tous les skins déjà de Fortnite. Voilà. Je vous montre vite fait, mais il y a vraiment tout, hein. Bon là je vais beaucoup trop vite là. Faut savoir qu'il y a aussi les skins Bambi, donc tous les skins Bambi de cette saison et tous ceux de la saison dernière. Oh lolo, ça me rappelle des petits souvenirs. On a ensuite tous les skins verts, etc. etc. Même des skins qui sont pas sortis, genre celui-là là par exemple. Lui je sais plus s'il était sorti, mais en tout cas il y a tous les skins qui sont déjà sortis et qui sont pas encore sortis, donc c'est cool. Les skins bannières, il y a tout, regarde. Il y a vraiment tout. Donc voilà. Je vais encore vous montrer un petit peu les skins. Enfin voilà, genre il y a vraiment tout. Du coup voilà. Il y a aussi des skins qui sont pas sortis. Genre là c'est les skins fantômes et ombres. Enfin. Après on a quoi? Ça c'est un Bambi. Ça c'est quoi? Ah ça c'est. C'est les autres skins qu'on se transformait avant. Des skins sauver le monde. Ça je sais pas c'est quoi. Enfin c'est le casse-noisette mais. En tout cas voilà. On n'a pas les customs dorés vu qu'il faut les niveaux et ils peuvent pas les mettre. Regardez ce skin n'est jamais sorti. Enfin voilà. Genre il y a vraiment tout. Vous vous débrouillerez, vous chercherez vos skins. Vous marquerez le nom ici, c'est en français normalement. Ouais, c'est en français. Vous marquez le nom en français du skin que vous voulez et vous le trouverez. Il y a vraiment tout, voilà, regardez. Même des skins qui sont pas sortis comme ça. Enfin voilà. Ensuite, je vais vous montrer vite fait quand même les sacs à dos. Enfin, du coup, les sacs à dos, c'est pareil, hein. Il y a tout. Ouais, il y en a vraiment beaucoup en vrai. Voilà. D'ailleurs, moi, ça, faut que je les achète. Les sacs à dos de sang. Et les sacs à dos, je savais même pas qu'ils existaient. Ça, je crois, c'est le sac à dos des skins zombies. Regarde, il y a des trucs, je connais même pas ça. Du coup, ensuite, les pioches. Wow. Déjà, rien que voir ça là, avec toutes les collections, c'est grave stylé. Ouais. Ok. Et regardez, ça, c'est jamais sorti non plus, pareil. Bon, après, il y a tout. Encore là, des autres éditions. Marvel, toutes les icônes. Enfin, voilà. Hop, je défile vite fait. Hop, c'est quoi ça? C'est la pioche Bambi chapitre 1? Ah merde. On peut pas l'avoir. En tout cas, voilà. Il y a tout, comme d'hab. Hop. Ok. Ensuite, les planeurs. Il y a tout. Voilà, les légendaires, les trucs des icônes. Épiques, etc., etc. Bon, je vous montre pas parce que vous pourrez le voir vous-même. Ça, c'est le planeur test qu'on avait trouvé. Dans les fichiers du jeu. Et les traînées. Pareil. Là, je vous montre vite fait, on s'en fout. Les danses, je vous montre, vas-y maintenant. Voilà, il y a toutes les danses. C'est trop bien. Ça, c'est la seule danse légendaire. Oh, je l'ai même pas eu, c'était avec le pack Glow, j'aurais dû l'acheter. Les danses Star Wars, les danses des icônes. Hop, épique. Toutes les autres. What? Il y a beaucoup trop de danses d'icônes. Moi qui les voulais toutes, ben, ça va être compliqué. Même les danses intégrées, genre. Bon, ça, on peut pas l'avoir. Enfin, voilà. Ensuite, les bleus, etc., etc. Les vertes. Il y a même des danses qui sont pas sorties, du coup, comme je vous ai dit. Bon, en tout cas, voilà. Les petits écrans, les machins là, genre, voilà, vous avez compris. Ouah, c'est quoi ça? Ils sont trop beaux. Ok, la bannière. Enfin, il y a tout encore. Ouais, il y a plus d'écrans de chargement que de sac à dos, j'ai l'impression. Ok. Hop, on continue. Les musiques, il y a tout aussi. Hop, il n'y a pas beaucoup de musique en vrai. Je pourrais tous me les acheter sur mon compte. Et les écrans de chargement. D'ailleurs, celui-là que j'ai loupé. Je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu à l'époque. J'ai trop le seum. Voilà, tous les écrans de chargement. C'est quoi ça? Ok. Et les bannières, il n'y a pas. C'est le seul truc qu'il n'y a pas. Mais on s'en fout un peu. Donc voilà. Je vous montre un peu, on est niveau 999, oh, on s'en fout. La boutique, c'est n'importe quoi, genre. Regardez, c'est n'importe quoi, 100 000 V-Bucks. Voilà.
Du coup, on va fermer ça et je vais vous montrer comment faire. Hop. Attendez, ça charge. Ok, parfait. Boum. Boum. Alors, premièrement, il vous faudra WinRAR. C'est ceci. Voilà. Regardez, il est au milieu, là, vous voyez. Juste là. Vous marquez juste WinRAR sur Google et vous l'installez. D'ailleurs, je précise, c'est que pour les joueurs PC. Parce que, genre, sur PC, vous n'avez pas de moteur de recherche, etc. Genre. Du coup, c'est que pour les PC et téléphone, peut-être. J'ai vu qu'il y en avait quelques-uns, ça marchait. Donc, si jamais vous voulez essayer. Donc, vous prenez WinRAR. Voilà, vous l'installez. Ensuite, il y aura un lien dans la description. Vous le prenez et ça vous aura un lien WinRAR, genre où il y aura trois fichiers dedans. Mais avant, vous allez ouvrir un dossier, vous faites nouveau. Hop, dossier comme ça. Vous l'appelez serveur privé. Et ensuite, vous allez glisser les trois choses là. Genre ça va être dans un fichier WinRAR. Donc celui-là, là, comme ça. Ça va être dans un fichier comme ça. Vous les mettez dans votre dossier normal. Et ensuite, vous avez juste à lancer ce qu'il y a au milieu, Fortnite Launcher. Vous cliquez deux fois dessus. Il y aura marqué prénom, enfin, nom. Attendez, je vais vous le faire avec vous. Voilà, username. Vous marquez ce que vous voulez, c'est juste le nom du compte. Vous appuyez sur Launch, ensuite. Voilà, juste ça. Et ensuite, ça, vous attendez. Vous touchez à rien, sinon ça a tout bugué. Vous attendez juste. Et puis voilà, ça va se lancer. Et vous aurez tous les signes comme moi. Alors, pour ceux qui demandent si on peut être ban. S'il y a des risques, etc. Je ne pense pas. Parce qu'en fait, c'est un serveur privé. Genre, vous pourrez pas jouer en game, pour ceux qui se demandent. C'est juste, vous avez tous les skins et tout. C'est ultra stylé. Mais vous pourrez pas jouer en game. Peut-être que dans la prochaine mise à jour de ce serveur, on pourra jouer. Ce serait super sympa. Mais en attendant, on ne peut pas. Mais voilà, on peut pas ajouter des gens en ami, etc. Donc c'est pour ça, vu que c'est pas directement dans le vrai jeu Fortnite, c'est pour ça qu'on peut pas être ban. J'espère, en tout cas. Mais voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et de vous abonner. Ceux qui ont des questions, dites-les en commentaire. Genre, si vous avez un truc qui marche pas, même si moi tout a marché du premier coup, c'est ultra simple. Si jamais il y a un truc qui marche pas, vous avez une question, un problème, dites-moi tout dans les commentaires, je réponds à tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner et mettre un petit pouce bleu, ça ferait ultra plaisir. Et du coup, voilà. Ciao les potes.